Bonsoir tout le monde, vous êtes la très bienvenue, surtout Liliane Thuram. Oui, madame? Nej, jag kommer att säga varmt välkomna hit till Liliane Thurams kväll, som har varit på Ersboda idag, kommer vara på Litfest imorgon också. Nina Björby heter jag, är ordförande för kulturberedningen Region Västerbotten, som är en av arrangörerna ikväll. Tillsammans med Sensus, Rättighetscentrum, Västerbotten och Litfest. Samtalet kommer tolkas från franska och streamas av Jörgen från Region Västerbotten. Ni hittar det på YouTube sen. Ni kommer även kunna köpa böcker efter programmet. Jag ska inte säga mer, utan vid SVT har lånat ut Fredrik Svensson som kommer hålla i samtalet. Varsågoda. Tack så mycket. Välkomna allihopa. Kul att så många är här. Det här är Liliane Thuram, för er som inte känner igen honom. Han kommer från Guadeloupe som ligger i Västindien. Han växte upp där, sen i Paris. Han var en av sin tids bästa försvarsspelare i fotboll. Han har vunnit VM-guld, EM-guld. Numera är han författare och föreläsare. Det här är Liliane Thuram. Välkommen. Merci beaucoup. Tack så mycket. Tack. Hur var din uppväxt? Ben, mon enfance était comment? C'était une enfance, je dirais, heureuse, parce que j'habitais en Guadeloupe avec ma maman et mes cinq frères et sœurs. Jag kan säga att jag hade en lycklig uppväxt. Jag växte upp på Guadeloupe tillsammans med min mamma och mina fyra syskon. Och sen flyttade du till Frankrike. Oui, effectivement, je suis arrivé à l'âge de 9 ans dans la région parisienne. Jag kom till Paris när jag var 9 år. Et je suis arrivé parce que un beau jour en Guadeloupe, ma maman nous a réunis mes frères et sœurs autour de la table. Och anledningen till att jag kom till Paris, det var att en kväll så samlade mamma oss runt middagsbordet. Pour nous expliquer qu'elle allait partir travailler en France. Och förklara för oss att hon skulle flytta till Frankrike för att jobba där. Effectivement, ma mère était une femme seule. Elle travaillait le matin dans les champs de canne où elle coupait la canne à sucre. Och min mamma var ensamstående mamma, så att på dagarna så jobbade hon med att skörda sockerrör ute på fälten. Et donc elle est partie à Paris où est-ce qu'elle a travaillé comme femme de ménage. Och sen flyttade hon till Paris där hon jobbade som städerska. Entre-temps, mes frères et sœurs, nous sommes restés seuls en Guadeloupe. Under tiden så stannade mina syskon och jag ensamma på Guadeloupe. Mon grand frère avait 14 ans. Min äldste bror var 14. Moi, j'avais 8 ans. Jag var 8 år. Et en fait, nous sommes restés seuls aux Antilles parce que je suis d'une famille où il y a 5 enfants. Och anledningen till att vi var ensamma kvar på Guadeloupe är att jag kommer från en familj där vi är totalt 5 barn. De 5 pères différents. Vi har 5 olika fäder. Mais aucun père était présent. Men det fanns ingen, vi hade ingen av våra pappor närvarande. Et donc ma mère a travaillé pendant un an et après elle a économisé, elle a fait venir ses enfants en France. Så mamma var i Paris i ett år, hon la undan så mycket pengar hon kunde och sen kom hon och hämtade oss. Parce qu'elle pensait que c'était mieux pour nous et que nous aurions plus d'opportunités de réussir notre vie en France. För hon tänkte att det skulle vara bättre för oss, att vi skulle ha större möjligheter om vi flyttade till Paris. Hur var det att flytta till Paris då? Ben, tout d'abord, déménager à Paris, c'était revivre avec ma maman, donc j'étais extrêmement heureux. Ja, jag är väldigt, väldigt glad, för det innebär att jag fick flytta tillbaka och bo med min mamma igen. Hur var det för dig då att vara kommer från Guadeloupe till Frankrike och till en storstad som Paris. Ben écoutez, encore une fois, je crois que lorsqu'on est enfant, le plus important c'est de pouvoir vivre avec sa maman. Et moi, ma maman m'avait énormément manqué pendant l'année que j'étais resté seul en Guadeloupe. Jag tror att när man är barn, det allra viktigaste är att man får bo hos sin mamma, och jag hade saknat henne oerhört mycket. Jag läste någonstans att det var i Paris som du första gången upptäckte att man kunde ha
olika hudfärg. Oui, effectivement, c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, je dis toujours que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Ja, det är precis så, för när vi kom till Paris, jag brukar alltid säga det att jag blev svart när jag var 9 år. Et pourtant, j'avais des miroirs à la maison. Det var inte det att jag inte hade speglar hemma. Hur tror du det ser ut? Ben, à l'époque, lorsque je suis arrivé à Paris, il y avait un dessin animé à la télévision. Ja, på den här tiden då, när jag flyttade till Paris, så gick det en tecknad serie på TV. Où il y avait deux vaches. Oui, den här serien så var det den huvudpersonen och var två kor. Une vache noire très très stupide. En jättekorkad svart ko. Une vache blanche très très intelligente. En jättesmart vit ko. On se demande pourquoi la vache noire était la plus stupide. Och man kan undra varför just den svarta kon skulle vara mest korkad. Et certains de mes camarades de classe m'appelaient du nom de cette vache noire, la Noiraude. Och den här svarta kon, den hette ungefär Svartingen. Och plötsligt var det klasskompisar som började kalla mig för Svartingen. Et donc j'étais extrêmement triste. Oui, mais jätteledsen. Et un beau jour, je rentre à la maison, je demande à ma mère pourquoi en fait la couleur de ma peau noire était vue aussi négativement. Och då kommer hon och så frågar jag mamma, hur kommer det sig att min hudfärg är någonting negativt? Et elle m'a dit, tu sais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes et ça ne va pas changer. Et ça a été une très mauvaise réponse, je pense, pour un enfant de 9 ans. Parce qu'elle me laissait entendre dire que tous les gens étaient racistes. Ça me laissait entendre dire que je devais rester dans une certaine victimisation. Ça me laissait entendre dire aussi que c'était une certaine fatalité. Et c'est pour cela que je dis que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, parce qu'on devient noir dans le regard des autres. Och det är därför jag säger att jag blev svart när jag var 9 år, för man blir svart i betraktarens ögon. Parce que quand j'étais enfant en Guadeloupe, je m'appelais Lilian. För att när jag bodde på Guadeloupe, då hette jag Lilian. Ma mère m'appelait Lico. Mamma kallade mig för Lico. La grande majorité des gens autour de moi avaient la même couleur de peau que moi. Och majoriteten av dem i min omgivning hade samma hudfärg som jag. Et donc c'est pour cela que ça a été quelque chose d'assez violent. De voir que certains se disaient blancs et pouvaient catégoriser d'autres de noirs. Mais ce qui a été violent pour un enfant de 9 ans, c'était qu'en fait, je comprenais qu'il y avait une hiérarchie entre les couleurs déjà. Et que les personnes de couleur noire étaient vues inférieurement. Et donc j'ai dû essayer de comprendre pourquoi ça existait. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont expliqué le racisme. Alltså, för mig var det så att jag hade förmånen att träffa människor som kunde förklara fenomenet bakom rasism. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des livres qui m'ont permis de comprendre le racisme. Och jag hade också förmånen att kunna läsa böcker som handlade om rasism. Et j'ai fini par comprendre que le racisme était lié à l'histoire du monde. Och till slut så kom jag fram till att rasism är kopplad till historien. Et que les hiérarchies sont la couleur de la peau est une façon de penser que chacun de nous portons en nous parfois. Och det här med hierarkier, det är ett sätt att tänka då, ett synsätt som många av oss bär med sig. Et cela peu importe la couleur des gens. Och det spelar ingen roll vilken hudfärg man har för att bära med sig det här. C'est un peu comme la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés. Det är som om man tittar på den allra äldsta hierarkin som finns i världen. La hiérarchie entre les hommes et les femmes. Pendant des siècles, on a expliqué que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Under århundraden så har man hävdat att mannen är överlägsen kvinnan.
Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui le pensent. Och än idag finns det män som faktiskt tror på det. Et voilà pourquoi il existe le sexisme un peu partout dans toutes les sociétés. Och därför finns det sexism lite överallt runt om i samhället. Et si le sexisme, le racisme existe, c'est parce que chacun de nous, de génération en génération, on fait perdurer ces hiérarchies. Och om den här hierarkin fortfarande finns, så är det därför att vi alla har bidragit till att få det här att fortsätta finnas. Vi ska återkomma till det här. Men parallellt med att du flyttade till Frankrike, någonstans upptäcktes också att du var duktig på att spela fotboll. Bon, j'étais pas plus doué que certains en foot, hein. Jag var inte så jättemycket bättre i fotboll än någon annan. Disons que j'avais peut-être une qualité, c'est-à-dire que j'avais une très bonne qualité d'écoute, je pense. Alltså, jag tror att jag hade en viktig egenskap, och det var att jag var bra på att lyssna. Et une vraie envie de progresser. Och jag ville verkligen komma framåt. Et depuis tout petit, j'avais quand même, j'étais quelqu'un d'assez déterminé. Och redan som liten så visste jag vad jag ville. Et je pense que c'est lié à la vie que j'ai vue avoir ma maman. Och jag tror att det har att göra med att jag såg vilket liv min mamma hade. Parce que j'ai toujours eu conscience de ce qu'avait fait ma maman pour moi. För jag har alltid varit medveten om det mamma gjorde för mig. Que je percevais que l'arrachement qu'elle a dû faire de la Guadeloupe pour venir en France, c'était extrêmement difficile. Jag förstod att för att trycka upp sig själv med rötterna från Guadeloupe, det var väldigt svårt. Et depuis tout petit, c'est assez bizarre d'ailleurs, je m'étais promis de tout faire pour qu'elle soit fière de moi. Och redan som väldigt liten så hade jag bestämt mig för att jag skulle göra allt för att hon skulle bli stolt över mig. Så det var drivkraften. Oui, je pense que ce que je suis devenu aujourd'hui explique par la capacité à comprendre que peut-être il y a une femme qui a fait don de sa vie pour ses enfants. Et donc je crois qu'il faut être reconnaissant. Och jag tror att om jag blivit en livet så var det för att det fanns en kvinna som offrade mycket. Et être reconnaissant, c'est pas devenir joueur de foot professionnel. Être reconnaissant, c'est faire le meilleur de soi, donner le meilleur de soi. Och jag vill ju visa en tacksamhet, och tacksamhet behöver inte nödvändigtvis bli att man blir fotbollsspelare, men jag ville att hon skulle kunna vara stolt över mig. Pour la rendre la moins inquiète possible. Och så vill jag inte att hon ska oroa sig. Parce que tous les parents sont inquiets pour leurs enfants. För alla föräldrar oroar sig för sina barn. Et moi-même qui suis père de deux enfants. Jag själv har två barn. Mais je suis inquiet pour mes enfants. Jag oroar mig för mina barn. Parce que ça s'appelle de l'amour. För det är kärlek. Voilà. Lilian Tran var som sagt en av världens bästa backar under många, många år. Han vann ligatitlar med Juventus. Han spelade i storlag som Monaco, Barcelona och Parma, som då var ett bra lag, förutom Juventus. Han vann VM-guld och EM-guld med det franska landslaget 98 och 2000. Och det är just det franska landslaget med Zidane och Laurent Blanc, som idag tränar PSG, Thierry Henry och flera andra, Didier Deschamps. Det var ett landslag som blev populärt och kallades för Black Blanc Beur, ungefär översatt till svart, vitt, brunt. Och innehåll spelar med väldigt många olika bakgrunder. Vad tänker du om det idag? Ben, tout d'abord, effectivement, c'est vrai qu'on a eu la chance de. Ja, först och främst är det så att vi hade ju turen att vinna igen. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui avaient des origines différentes. Och spelarna hade olika ursprung. Des histoires de vie différentes. Olika levnadshistorier. Des couleurs de peau différentes. Olika hudfärger. Des religions différentes. Olika religioner. Mais je crois que ce que nous avions en commun, c'était un objectif. Men det vi hade gemensamt, det var ett mål. Et l'objectif, c'était
gagner cette Coupe du Monde. Målet var just att vinna VM. Et je crois que nous avons eu l'intelligence de se mettre à disposition l'un l'autre. Och vi var smarta nog att ställa oss till förfogande för varandra. Parce qu'en règle générale, dans la vie, on a toujours envie que les autres soient à disposition de vous. För egentligen är det så i livet att man vill gärna att andra ska finnas till ens förfogande. Mais c'est très rare qu'on se mette à disposition des autres. Det är ganska ovanligt att man har lust att vara till förfogande för någon annan. Et donc voilà pourquoi on a gagné cette Coupe du Monde. Parce qu'il y avait ce respect. Det var därför vi vann VM, för vi hade en ömsesidig respekt. Et dans tous les groupes, en règle générale, chacun de nous, nous sommes différents. Och i alla grupper kan man säga så är vi ju olika. Et peu importe la religion, det spelar ingen roll vilken religion, peu importe la couleur, vilken färg. Eh bien, chacun de nous, nous sommes différents. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette différence? Och då kan man undra, vad gör man med de här olikheterna? Est-ce qu'on essaie de dépasser les différences? Försöker man att se bortom olikheterna? Pour aller à l'essentiel. För att komma till det som är kärnan. Mais trop souvent, dans des groupes, on se perd parce qu'on ne va pas à l'essentiel. Men problemet är ofta så, så förlorar man, man ser inte det som är viktigt. Et donc, je crois que les Français ont reconnu en nous cette envie de faire du commun. Och jag tror att fransmännen såg hos oss den här viljan att göra någonting gemensamt. Et le commun, encore une fois, est possible s'il y a énormément d'amour et de respect. Och att göra någonting gemensamt, så här, det går om det finns mycket kärlek och mycket respekt. Et donc je dois avouer que cette équipe m'a permis d'atteindre mon rêve. Och tack vare det här laget så nådde jag min dröm. Parce que le rêve que j'avais, c'était de gagner cette Coupe du Monde. För min dröm, det var att vinna VM. Voilà pourquoi je dis que il faut à un moment donné avoir une certaine idée de la communion pour faire en sorte que le groupe soit beaucoup plus fort. Och därför tror jag man måste veta hur det fungerar i gemenskapen för att kunna få en stark grupp. Et cette équipe a aussi permis à la société française de se regarder. Och det här laget gjorde också att det franska samhället kunde titta på sig själv. Et de se regarder autrement. Och få en annan syn på sig själv. Se dire voilà, il y a plusieurs façons d'être français. Och att det faktiskt fanns flera sätt, det finns flera sätt att vara fransman på. La nationalité française n'est pas liée à une couleur de peau. Och den franska nationaliteten är inte kopplad till en hudfärg. La nationalité française n'est pas liée à une religion. Och den franska nationaliteten är inte kopplad till en religion. La nationalité française c'est avant tout un sentiment d'être. Den franska nationaliteten är först och främst en känsla att vara. Et un sentiment d'appartenance. Och en känsla av tillhörighet. Et ça a permis à beaucoup de jeunes garçons comme moi qui ont grandi dans les banlieues. Och det gjorde att många unga killar som hade växt upp i förorten, de se sentir à ce moment-là pleinement français. Och då fick de dem att verkligen känna sig som fransmän. Voilà pourquoi le sport en règle générale peut être en avance sur les politiques. Och därför så kan man säga att idrott ofta ligger lite före politiken. Vi ska få ställa frågor till Lilian Thuram om en stund. Han spelade med Zlatan ett tag i Juventus. När vi var på Olivhemsskolan där så fick vi frågor om det. Ni får också ställa frågor om det om ni vill, så småningom. Men nu går vi vidare med, för efter fotbollskarriären, eller redan under fotbollskarriären, så engagerar du dig i samhällsfrågor. Är det här någonting som har legat dig nära att våga tala om de här frågorna? Ben, s'engager dans la société, je pense que c'est très important pour moi, comme c'est très important pour chacun de nous ici. Jag tror att det är väldigt viktigt att engagera sig i samhällsfrågor, inte bara för mig utan för alla oss som är här idag. Que nous le voulions ou non, chacun participe à la société de demain. För oavsett om vi vill eller ej, så är vi alla med och formar morgondagens samhälle. Et est-ce que nous allons participer à construire une société plus juste, plus égalitaire? Och ska vi då försöka bygga upp ett mer rättvist samhälle? Et si nous ne faisons rien, ça veut dire que demain on laisse aller la société dans la direction de ceux qui vont faire en sorte qu'elle ira mal ou bien. Och om man då inte gör någonting själv, då blir det ju upp till andra att se hur samhället ska bli och om det ska gå en bra riktning eller en dålig riktning. Parce que trop souvent on croit que la société doit
les personnes les plus connues doivent donner la direction de la société. Mais c'est réellement chacun de nous, comment nous allons nous éduquer, éduquer nos enfants demain, qui fera en sorte que les choses iront bien ou mal. Men så tänker man att det är liksom kända personligheter som ska visa vägen, vilket håll samhället ska ta. Men det är minst lika viktigt att man inom familjen och själv tar ansvar för detta. Et plus nous serons nombreux à vouloir que la société aille dans une direction plus égalitaire, plus la société sera égalitaire. Och ju fler vi är som verkligen vill försöka få ett mer jämlikt samhälle, desto större chans att vi får ett jämlikt samhälle. Et trop nombreux sont les personnes qui pensent que leur voix ne compte pas. Och det är alldeles för många som tror att deras röst inte räknas. Din röst hörs numera från föreläsningsscener och i böcker. Hur kommer det sig att du tog steget från fotboll till att bli författare och till att stå och prata inför människor? För det är inte alla som har gjort. Ben, tout d'abord, encore une fois, ça s'explique par ma vie, parce que encore, je me suis posé des questions sur moi-même. Et lorsque j'étais joueur de foot, que ce soit en Italie ou en Espagne, souvent les écoles me demandaient de venir pour parler du racisme. Et je le faisais avec grand plaisir. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte que chacun de nous, nous portons encore une fois en nous les hiérarchies. För jag tror att ofta vi tänker inte på att vi alla bär med oss ett sånt här hierarkiskt tänkande utan att vi är medvetna om det. Et donc, lorsque j'étais joueur de foot, je voyais bien que c'était beaucoup plus facile pour moi d'intervenir à l'école parce que les enfants aimaient le foot. Och för mig, jag upptäckte ganska snart att det var mycket lättare för mig att nå fram till barnen för att de gillar fotboll. Et donc, je me dis que peut-être que c'est important que les personnes connues le fassent. Och då tänkte jag att det kanske är viktigt att kända personer gör det här. Et moi, c'est un sentiment qui est extrêmement profond. För mig är det en väldigt djupt förankrad känsla. Et je me serais voulu de ne pas le faire. Parce qu'en règle générale, vous savez, on essaie de piéger, par exemple, les enfants pour qu'ils achètent des chaussures de foot en utilisant des personnes connues. För att ofta är det man försöker lura barnen att köpa jättedyra fotbollsskor till exempel, och man låter stora fotbollsspelare göra reklam för dem. Mais je pense que la célébrité aussi peut permettre des questionnements nouveaux à la société. Men jag tror också att kändisskap kan göra att man kan ifrågasätta samhället och se på samhället på ett annat sätt. Et les questionnements sont assez simples. Qu'est-ce que chacun pense de l'égalité selon la couleur de la peau? Och då är det ganska enkel fråga. Vad tänker ni alla om samhället utifrån hudfärg? Qu'est-ce que chacun de nous pensons de l'égalité selon la sexualité de quelqu'un? Ou de la religion? C'est ça la réalité. Parce que par exemple, vous pouvez être discriminé sur la couleur de votre peau. Et ne pas l'accepter. Par contre, vous pouvez vous-même discriminer quelqu'un sur la sexualité. Est-ce que c'est juste? Mais c'est ça la vraie question. Parce que parfois on a tendance à défendre sa propre personne. Mais ignorer les difficultés d'autres. Donc je pense que on doit se questionner parce qu'en règle générale, on ne se questionne pas assez sur ces sujets-là. Och jag tror att här måste man oftast så ifrågasätter man inte tillräckligt det här. On ne se questionne pas assez sur les conditionnements qu'on reçoit. On funderar inte över hur man har påverkats utifrån. Et ce n'est que les conditionnements qu'on reçoit qui nous emmènent à penser le monde d'une certaine façon. Och att det på grund av vad vi har fått med oss som påverkar oss hur vi ser på samhället. Et ces conditionnements successifs
peut se nommer en une parole qui est la culture. Och allt det här skulle man kunna sammanfatta som kultur. Et notre propre culture, en règle générale, est donnée par notre famille. Och vår egen kultur har vi oftast fått från vår familj. Par notre environnement. Och från omgivningen. Par la religion qu'on va avoir. Från den religion vi har. Et qui nous permet de penser différemment le monde. Et donc c'est très intéressant de discuter ensemble pour voir est-ce qu'en questionnant ces conditionnements, on ne peut ne penser différemment l'égalité. Och här kan man, det är det som är intressant, att man kan ifrågasätta det här med ärvda åsikter man har, om man kanske kan ändra sitt sätt att se på världen. Moi je pars de cette idée. Pourquoi pendant des siècles, par exemple, on a pu discriminer les personnes de couleur noire en pensant que c'était tout à fait normal? Jag brukar undra sig hur man under århundraden kunde diskriminera svarta människor och att man tyckte att det var helt normalt att göra det. Comment on a pu discriminer les femmes pendant des siècles et penser que c'était tout à fait normal? Och hur man kunde diskriminera kvinnor i århundraden och tyckte att det var helt okej. Il y a des endroits aujourd'hui où on discrimine les personnes fortement sur leur sexualité. Och det finns platser idag där man diskriminerar människor på grund av deras sexuella läggning. Et je trouve qu'il y a un élément commun à tout ça. Och jag tycker att det finns många gemensamma nämnare. C'est que ces personnes tout au long de ces siècles ont oublié qu'en fait, on avait affaire à des autres êtres humains. Det är att man under hela den här tiden faktiskt har glömt att det handlar ju om människor framförallt. Mais quel est le conditionnement qui vous emmène à ne pas percevoir l'autre comme un être humain? Men vad är det som gör att man inte ser på alla som människor? Donc c'est moi, pour moi c'est ce qui est intéressant et voilà pourquoi il faut qu'on en discute. Och det är det som jag tycker är viktigt och därför måste vi diskutera det här. Parce que encore une fois, nous pouvons tomber dans le piège de ne pas voir en l'autre un être humain avant tout. Annars kan vi själva gå i fällan och inte se på sin nästa som en människa. Under de senaste åren så har många europeiska länder fått en mer polariserad politisk karta. Där partier som har mer eller mindre nationalistiska idéer i bakgrunden har börjat diskutera nationalitet och tillhörighet. Vi har sett i Frankrike. Vi ser det i Sverige. Vad tänker du om det? Bon, tout d'abord, je pense que c'est lié à la crise économique. Jag tror att det är väldigt mycket med den ekonomiska krisen. Voilà pourquoi on voit les partis d'extrême se manifester plus naturellement dans l'espace politique. Och det är därför de extrema partierna får större utrymme. Mais c'est l'idée, je dirais, primaire du groupe. Men framförallt handlar det om den här gruppkänslan. Les extrêmes essaient de toujours dire il y a nous, il y a eux. Extremisterna försöker alltid säga att det finns vi och det finns dem. Et dans les moments de crise, c'est-à-dire les nous ont tendance à se dire effectivement si on discrimine certaines personnes, je vais passer avant. Och i sådana här kristider, då kan vi tänka att okej, om vi diskriminerar den här, då kanske jag kan få det lite bättre. Parce que lorsqu'on parle de discrimination, lorsqu'on parle d'inégalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent des inégalités. För att när det finns diskriminering och ojämlikheter, då, det är ju därför att det finns de som tjänar på att det är så. Prenons l'exemple, moi je suis un homme. Si on discrimine les femmes, ça veut dire que je suis avantagé. Och ta mitt exempel, jag är en man och om man diskriminerar kvinnor, då är jag som får fördelar av det. Mais comme je suis avantagé, je vais dire ah non, c'est pas vrai. Men eftersom jag ändå har det bra ställt, så kan jag säga nej, men så är det ju inte. Mais si on est honnête, si on discrimine les femmes, c'est que quand vous êtes homme, vous êtes avantagé. Men det är ju bara så att om man diskriminerar Et dans les moments de crise, effectivement, les gens voudraient passer avant. Och just framförallt när det är kristider så vill gärna folk komma före andra. Et donc voilà pourquoi il y a ce problème aujourd'hui. Och det är därför som vi har de här problemen idag. Mais il y a un autre problème aussi dans les discriminations. Det finns ett annat problem med diskriminering också. C'est qu'il y a certaines personnes qui se disent je ne fais pas partie du groupe.
Det är att det finns personer som tycker att de inte tillhör gruppen. Je vais expliquer. Moi, je suis français. Jag ska förklara. Jag är fransman. Je vais très souvent dans les écoles. Jag är ute mycket och föreläser i skolor. Et la première des choses quand je vais dans les écoles, je demande aux enfants qui est français française. Och det första jag gör när jag kommer till skolan är att jag frågar barnen vilka av er är fransmän. Et souvent, les enfants me disent qu'ils ne sont pas français françaises. Och många av barnen svarar att de inte är fransmän. Et la dernière fois, il y avait un petit garçon qui a 12 ans, qui avait 12 ans. Och sist så var det en liten kille, han var så 12 år. Je leur dis, mais attends, tu n'es pas français. Och så sa de, va, är du inte fransman? Mais tu es d'où alors? Varifrån kommer du? Il me dit, je suis sénégalais. Han sa, jag är från Sénégal. J'ai dit, ah bon, tu es sénégalais? Tu es né où? Jaha, är du från Sénégal? Var föddes du? Il me dit, je suis né à Paris. Ja, han föddes i Paris. J'ai dit, ah bon? Jaså? Ok, tu as été combien de fois au Sénégal? Hur många gånger var du i Sénégal? 3 fois. 3 gånger. Je lui dis, mais tu as été pendant les vacances scolaires? Men var du där på loven då? Tu as été pendant les 2 mois? Du två månader under lovet. Il me dit, non, à chaque fois, 1 mois. Nej, var det en månad varje gång. Je lui dis, ah bon, tu as 12 ans et tu as été 3 mois au Sénégal? Ok, så du 12 år och har tillbringat 3 månader i Sénégal. Et je lui dis, ben, quand tu es au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit de toi? On säger om dig när du är i Sénégal. Il me dit, ben, on m'appelle le français. On kallar mig för fransman. Et donc ça aussi, ça crée un problème. Och det skapar också problem. C'est-à-dire que lui ne se voit pas faisant partie du groupe national. Et donc le discours qu'il a donne raison à l'extrême. Parce que l'extrême dit toujours, ce ne sont pas des vrais Français. Donc la première des choses que cet enfant devrait faire, c'est se revendiquer être français. Och det första det här barnet borde göra, det är ju stå upp för att sin nationalitet, att han är fransman. Et c'est pas parce qu'on a des origines différentes qu'on ne peut pas être français. Det är inte för att man har ett annat ursprung som man inte kan vara fransman. Parce que à preuve du contraire, chacun de nous, nous avons des origines. För att när man säger motsatsen så har vi ju alla någon sorts ursprung. Mais est-ce qu'on peut se revendiquer de ses origines alors que lorsque vous allez dans le pays d'origine, on vous voit comme français. Men hur ska man liksom göra för att säga att man har det här ursprunget när man då kommer tillbaka till sitt ursprungsland och de säger att man är fransman? Mais je peux comprendre cet enfant. Jag förstår det här barnet. Parce que effectivement, on se construit dans le regard des autres. För att det är betraktarens ögon som man säger vem man är. Et en France, il y a un regard qui est porté sur ces enfants en disant, ils ne sont pas vraiment français. Mais Frankrike, så ser många på mina barn och säger att de är inte fransmän. Et moi, ce que je dis à ces enfants, il ne faut pas tomber dans le piège. Jag säger till mina barn, gå inte i den fällan. Pour lutter contre l'extrême, eh ben, chacun de nous devons dire haut et fort que nous faisons partie du groupe et que nous allons voter pour que la société aille dans la bonne direction. Utan det måste vi alla säga att vi tillhör gruppen och vi kommer att rösta så att vi alla kommer att få tillhöra gruppen. Parce qu'il y a des jeunes enfants qui ont des origines différentes et qui ne vont pas voter, par exemple. För det finns många barn som har ett annat ursprung och som inte går att rösta när de har fyllt 18 år. Donc ça veut dire qu'ils ne participent pas au changement de société. Och då deltar de inte i förändringen av samhället. Et donc je crois que pour lutter contre l'extrême, il faut essayer d'expliquer aux gens qu'encore une fois, il n'y a pas de lien avec les origines et la nationalité. Och jag tror att för att man ska komma åt extremister så måste man förklara att det finns ingen koppling mellan ursprung och nationalitet. Et se sentir pleinement français, ça ne veut pas dire trahir les origines des parents, par exemple. Och även om man känner sig som fullvärdig fransman så betyder inte det att man sviker sitt ursprung. Voilà. Antoine. Je voudrais rajouter quelque chose sur la montée, par exemple, de l'extrême. Jag skulle vilja säga någonting om extremisternas framgångar. Je veux rappeler aux gens quand même
qu'avant, il y avait beaucoup plus de racisme qu'aujourd'hui. Jag vill ändå påminna er om att förut fanns det faktiskt ännu mer rasism än vad det gör idag. Et ça, il faut être conscient de ça. Och det måste man vara medveten om. Et moi, je prends toujours l'exemple familial. Jag tar alltid min familj som exempel. Moi, je suis né en 72. Jag föddes 72. Mon grand-père est né en 1908. Mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage en France. Parce que les gens pensent que l'esclavage est quelque chose de très 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 loin. Ma mère est née en 1947. Pendant la ségrégation aux États-Unis. Et donc tout à l'heure, je disais que j'étais né en 72. Pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on voit bien que dans le passé, il y avait beaucoup plus de racisme. Et je dis aux gens qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment-là parce que il y a des questionnements nouveaux dans la société européenne. Parce que la société européenne devient de plus en plus multicouleur, multireligieuse. Et donc, il y a des crispations nouvelles qui se mettent en place. Et donc, ce n'est pas possible un changement sans crispation. C'est comme l'image du poussin qui sort de l'œuf. Pour donner vie à une nouvelle société, obligatoirement, il y a des crispations. Mais il faut que nous soyons intelligents pour donner quelque chose de positif. Men vi måste vara intelligenta för att lyckas uppnå något som är positivt. Et c'est pour cela que je dis que chacun de nous devons avoir la réflexion juste. Och det är därför som jag säger att vi måste alla försöka tänka den här. Chacun de nous ne pouvons pas se positionner radicalement sur nos positions. Så vi måste vara öppet sinne. Nous devons agir avec intelligence et avoir cette vision du commun. On se sépare et non de la confrontation. Ou inte se att det ska konfrontation. Voilà. Ouais. Nu finns det möjlighet för er som lyssnar att ställa frågor till Liliane. Jag kommer att upprepa med mikrofonen för att det ska höras till dem som tittar via streamingen, men handen upp i luften och ställa era frågor. Men il y a pas un micro qui circule? Ah. Allez-y. Varsågod. Vi är väldigt glada att du kommer hela vägen till Umeå för att prata om rasism. Det gör oss varma i våra hjärtan. Hur ska vi göra för att övertyga äldre människor som är över 70 år? Som aldrig kanske träffat färgade personer. Och hur ska man få dem att acceptera de färgade personerna? Ben écoutez, tout d'abord, je dirais que je ne suis pas sûr que vous pouvez convaincre les personnes de plus de 70 ans. Parce que
Parce que vous savez, lorsque plus vous êtes âgé, plus vous êtes dans vos certitudes. För att ju äldre man blir, desto mer är man ändå fast i sina övertygelser. Et donc, demander à des personnes très âgées de changer leur certitude. Och att få någon som är väldigt gammal att försöka ändra de här sakerna som man tycker. C'est comme si tout le monde s'écroulait. Det skulle vara som att hela deras liv, värld rasade samman. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord dire aux gens qui pourraient subir le racisme. Jag tror att det är viktigt att säga till alla att de skulle kunna bli föremål för rasism. Ne tombez pas dans la victimisation. Att om man blir föremål för rasism så ska man inte se sig som ett offer. Parce que si vous tombez dans la victimisation. Oh non, excuse. Excuse. En fait, om man faller i fällan. Massage. Merci. Hein. Ja, det är tur jag fick lite massage där. Om man går den här fällan och ser sig själv som ett offer. Vous ne pouvez pas développer la chose la plus importante chez un être humain. Då kan man inte utveckla det som är allra viktigast hos en människa. L'estime de soi-même. Självkänsla. Et je vais boire aussi. En français, en suédois. Han ska dricka både på franska och svenska här nu så. Parce que sans estime de soi, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. För att om man inte har självkänsla, då kan man inte ge sitt bästa. Parce que le racisme, c'est avant tout une violence. För att rasism är en våldshandling. Une violence, si jamais vous l'intégrez, vous allez encore une fois tomber dans une violence sur vous-même. Och om man tar till sig den här integreringen i våldshandlingen. Et s'il y a une violence envers vous-même, vous allez être violent vers la société. Et vous allez donner raison à ceux qui sont racistes. Et donc, il ne faut pas avoir de doute que ce sont les racistes qui ont un problème. Et en donnant le meilleur de vous-même, c'est la meilleure façon de faire avancer la société. Et tout à l'heure, je vous interpelle quand même. Vous avez dit comment faire accepter les personnes de couleur. Fällande människor att bli accepterade. Oui, för det är de som är offer. Vous parlez de personnes de quelle couleur? Verte, jaune, rouge? Vilken färg menar du? Grön eller blå eller gul? Svart? Non, je dis toujours ça. Jag säger parce allt que det här. Cette notion de personne de couleur a été inventée pour dire attention, ils ne sont pas blancs. Ja, och just det här i hela mekanismen att indela människor i färg, det är just för att kunna säga hallå där, de är inte vita. Cette question, c'est nous et eux. Och då blir det här, de och vi. Et donc c'est pour ça que il faut pas reprendre ce terme-là, parce que tout le monde est de couleur. Och därför ska man inte tycka att använda den här termen, alla har ju någon färg. Ici, il n'y a pas que moi qui ai de couleur, non? Elle est quand même de couleur, elle aussi. Non? Si. Ok. Non, je crois que vraiment, il faut essayer de développer cette estime de soi et de dire vraiment aux enfants que ils vont peut-être rencontrer des problèmes. Jag tror det är jätteviktigt att man verkligen utvecklar den självkänslan. Att man säger till barnen att visst, du kommer att stöta på problem. Mais il faut vraiment jamais penser qu'ils ont raison. Men man får aldrig någonsin tro att de säger dumma saker, att de har rätt. Men
Men när man som fotbollsspelare, hur kan man då ställa sig den här frågan om rasism? Tout d'abord, la chance que j'ai, c'est de comprendre le mécanisme du racisme. Alltså, det som är tur för mig, det är att jag har förstått mekanismen bakom rasism. Par exemple, lorsque j'étais joueur de foot, et que certains supporters faisaient le bruit du singe quand je touchais la balle, så var det vissa supporters som lät som apor varje gång jag rörde bollen. Je comprenais ce que les supporters me disaient. Jag förstod vad de sa till mig, mina supportrarna. Tu es joueur de foot. Ah, du är fotbollsspelare. Tu es connu. Du är känd. Tu as de l'argent. Du har pengar. Mais je reste supérieur à toi parce que je suis blanc. Men jag kommer alltid vara överlägsen för jag är vit. Mais moi j'ai aucun doute que ce sont eux qui ont des problèmes. Ja, för mig är inget tvekan om att det är de som har problem. Et tout d'abord, à aucun moment je me prends pour un sage. Och aldrig någonsin tar jag mig själv för en apa. Donc je sais que peut-être que c'est pas pour moi. Et voilà, et je crois que il faut donner des armes pour désamorcer les choses. Et quand vous avez les armes pour désamorcer, vous avez même de la compassion pour ces gens-là. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, parce qu'on sourit sur ce problème de racisme. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite aux États-Unis, par exemple. On a pris un groupe d'enfants. On leur a montré deux poupées. Une poupée dite blanche. Dites noir. Och en så kallad svart docka. Et donc on a posé des questions à ces enfants. Så ställde man frågor till de här barnen. Quelle est la poupée la plus jolie? Vilken är den finaste dockan? La plus gentille. Den snällaste dockan. La plus méchante. Den elakaste dockan. Tout ce qui était positif était mis sur la poupée blanche. Och alla goda egenskaper gav de till den vita dockan. Tout ce qui était négatif était sur la poupée noire. Och allt som var dåligt, det förknippade med den svarta dockan. Et après on a demandé aux enfants: vous ressemblez à quelle poupée? Och efteråt så frågade de barnen, vilken docka liknar ni? Et tout d'un coup, les enfants ont montré la poupée noire. Och plötsligt så pekade de på den svarta dockan. Donc ça veut dire que les enfants avaient intégré déjà sur eux une image négative d'eux-mêmes. Och det innebär att de här barnen, de hade redan tagit till sig en negativ självbild. Et c'est pour cela qu'il faut en parler très tôt, parce que vous avez comme... On vit dans la même société. Och därför måste man verkligen prata om det tidigt, eftersom vi lever i samma intégrer l'image négative que la société vous renvoie. Och man måste se till att inte ta till sig den negativa bilden. Et si vous le faites, c'est extrêmement grave. Och gör man det, det är verkligen allvarligt. Et c'est pour ça que je vous dis que la première des choses, c'est pouvoir comprendre le mécanisme du racisme. Och därför det första man måste göra är att förstå vad som ligger bakom pour avoir une bonne estime de soi et avancer dans la vie. För att kunna ha god självkänsla och komma framåt i livet. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on va faire que les gens demain seront de moins en moins racistes, parce que il n'y aura pas de prise sur les gens. Och därför tror jag faktiskt att i morgondagens människor kommer att vara mindre rasistiska. Ah. Tout le monde parle français ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en France. Bonsoir. Väldigt glad de se vous. Har du sett någon skillnad i Frankrike före VM för inte efter VM? Après France 98, je dirais qu'il y a eu des questions au sein de la société française qu'il n'y avait pas. Jag kan säga att efter VM 98 så kanske man började ta upp frågor i samhället som man inte hade diskuterat tidigare. La victoire de la France en 98 a été en même temps que les 150 ans de l'abolition de l'esclavage en France. Och det här var en seger 98 sammanföll med slaveriets avskaffande, och det 50-årsjubileet av slaveriets avskaffande. Et je me souviens qu'après la victoire de la Coupe du Monde, certains joueurs, on avait porté le maillot.
des 150 ans. Och efter VM, efter en seger, så var vissa av oss spelare som hade på sig tröjor som för att hedra det här 150-årsjubileet. Et la plupart des gens ne savaient pas. Och de flesta visste inte vad det här var. Et ce qui est très intéressant dans la société française, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Och det som är intressant i det franska samhället, det finns många frågor. Sur l'histoire qu'on raconte à l'école. Vad man berättar i skolan. Sur la place de la religion. Vilken roll religionen spelar. Sur le passé esclavagiste ou colonialiste de la France. Och om Frankrikes förflutna som kolonialmakt och slaveriet. Donc voilà pourquoi il y a des tensions dans la société. Det är därför det finns spänningar i det franska samhället. Mais la réalité est qu'il est préférable qu'il y ait ces questionnements que nous soyons dans un silence. Mais c'est mieux que nous puissions discuter de ces questions, que nous puissions dire. Moi, j'ai vécu, par exemple, en Italie ou en Espagne. Il n'y a pas tous ces questionnements. Et donc, on pourrait croire que la France est en retard parce qu'il y a plus de 10. En fait, nous sommes en avance. Vad ska man tänka sig att jag och Frankrike ligger på efterkälken för att de är med frågan, men i själva verket så ligger vi faktiskt i framkant. Et donc ce n'est que dans le débat, dans le questionnement, que quelque chose de neuf va se mettre en place. Och det är bara genom att diskutera och debattera det här som vi kan skapa någonting nytt. Et surtout lorsqu'il y a une vision historique complètement différente. Och speciellt om man har en helt olika historisk vision när det gäller. Je prends l'exemple d'un petit groupe. Jag tar l'exemple av en liten grupp. Vous êtes avec vos amis. Vous partagez les mêmes idées. Arrive quelqu'un de l'extérieur. Et qui vous dit, ben, ah, c'est pas vraiment ça quand même. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais la première des choses que vous avez envie de faire, c'est qu'il parte celui-là. Ok, donc c'est normal ce qui se passe. Parce que tout d'un coup, ceux qui arrivent de l'extérieur questionnent. En disant, c'est pas comme ça l'histoire, attendez. Et donc voilà pourquoi il faut avoir cette intelligence et d'être dans un sentiment de bienveillance et de comprendre que il y a des choses qui sont très difficiles à entendre. Därför måste man ändå förstå och inse att vissa saker är svåra att ta till sig. Et en France, nous sommes en avance sur ce débat-là. I Frankrike ligger vi i framkant med den här debatten. Moi, je peux aller, par exemple, à la télévision. Jag kan vara med i TV. Et dire, mais vous savez, en 1948, quand il y a eu les droits des hommes. Jag vet inte om jag fått åtta, men mänskliga rättigheter. Mais ce n'était que les droits des hommes pour les blancs. Men det var ju faktiskt bara de mänskliga rättigheterna gällde faktiskt bara vita. Parce qu'il y avait la colonisation. På grund av koloniseringen. Parce qu'il y avait l'apartheid. Apartheid. Et les gens se disent, ah, on n'avait pas vu ça comme ça. Par exemple, j'ai fait un livre, Mes étoiles noires, où je présente des hommes et des femmes qui questionnent l'imaginaire collectif. Parce que dans l'imaginaire collectif, l'histoire des populations noires commencerait par l'esclavage. Et donc j'essaie d'expliquer que non, il y a d'autres histoires. Et bien ce livre en France a été très bien vendu, a gagné un prix. Donc on voit qu'effectivement il y a plus en plus de personnes qui sont prêts à entendre un autre discours. Oui, det visar ju att det faktiskt finns många människor som är beredda att höra en annan version. Et c'est pour cela que je dis que lorsque vous avez tout un groupe de personnes avec une bonne estime de soi, ça veut dire que ces personnes-là vont avoir la bonne attitude pour raconter l'histoire. Et les personnes les plus violentes en règle générale dans une société, c'est les personnes qui n'ont pas cette capacité à s'exprimer de façon qu'on les entende. Et quand vous n'avez pas cette capacité à vous faire entendre, la seule chose qui vous reste, c'est pour vous faire entendre,
c'est un acte violent. Och om man då inte lyckas få folk att lyssna på sig, ja, då kanske man får ta till våld. Donc en France, je suis très content. Depuis 98, effectivement, certains ne sont pas contents, mais il y a des débats qui forcent la société française à ouvrir les yeux. Och sen 98, så är jag glad att konstatera att man faktiskt pratar om de här sakerna. Sachant que certains ne veulent pas ouvrir les yeux. Ben ça, c'est un peu normal. Je suis un homme. Quand je parle de la discrimination des femmes, parfois les hommes, on n'a pas envie de lui ouvrir les yeux. En disant, ben c'est vrai, c'est toi qui fais plus à la maison, tu crois? C'est pas vrai, ça. Je fais autant que toi, quand même. Oh, vous savez de quoi je parle alors. On est plus Donc voilà, donc c'est compréhensible tous ces moments de difficulté. Mais je n'ai aucun doute que nous allons y arriver. Voilà. Ah. Oh. En suédois. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Vad ska du på svenska nu? Har du upplevt problem med rasism under ditt spel i de olika franska lagen och landslagen när du har vuxit upp? För många har sett att det finns problem i de franska landslagen. Ben moi je dirais que où j'ai connu le plus de racisme dans le football. Där jag upplevt mest rasism i fotbollen. En tout cas, un racisme visible. Hein. Un synlig racisme. C'est en Italie. Oui, en Italie. Avec le bruit du singe. Après, vous savez que ce soit en France aussi, il y a du racisme. Hein. Il finit sur le racisme en Frankrike aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des entraîneurs à la Fédération française qui voulaient mettre des quotas. Och för inte så länge sedan så fanns det tränare inom franska fotbollsförbundet som ville införa kvoteringar. Ils voulaient faire, ils disaient même pas 30% d'enfants binationales. Det fick inte vara mer än 30% av barn med dubbla nationaliteter. Mais ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'on parlait de binationalité, ce n'était pas des enfants franco-brésiliens. Då var det inte barn som kanske var fransmän, brasilianer, franco-polonais, eller fransmän och polacker. C'était des franco-algériens, des franco-maliens, des franco-sénégalais. Et il y avait des personnes proches de 70 ans. Och där fanns det faktiskt folk som var i 70-årsåldern. Eh ben vous le connaissez. C'est là un fransk tränare tog över i fotbollsförbundet, tog över och förbjöd vissa saker i landslagen, att äta halal mat till exempel, ha bönemattor. Vad tänker du om det? Qui a interdit manger halal? Le Blackard, monsieur Blackard. Monsieur Blackard. Mais oui, c'est exactement le DTN de la Fédération française, monsieur Blackard. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que cette affaire est sortie sur la place publique. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient indignées. Mais monsieur Blackard est encore à la DTN. Men han är fortfarande kvar, monsieur Blackard. Et donc, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Vi ser att det finns lite kvar att göra. Et moi, je reste persuadé que si tous les joueurs français binationaux qui avaient porté le maillot de l'équipe de France
avaient demandé que Monsieur Blacard ne soit plus à la Fédé. Och jag tror att om alla franska tidigare fotbollsspelare i franska landslaget hade bett att han krävt att hans avgång. Je pense qu'il n'aurait plus été à la Fédé, mais. Då tror jag att han inte hade varit kvar längre. Mais encore une fois, je pense que parfois il y a certaines personnes qui ne veulent pas revendiquer fortement certaines positions. Men jag tror fortfarande det finns någon som inte vill ta till orda och för aktivt försöka bekämpa sådana saker. Hans gamla lagkamrat Laurent Blanc var inblandad i samma diskussioner, samma härva. Oui, effectivement, il y avait Laurent Blanc, il y avait un autre entraîneur, Monsieur Blacard, et il y a un autre entraîneur que je me souviens plus de son nom, qui était dans cette discussion. Et effectivement, dans cette discussion, il y avait des personnes, qui, des entraîneurs aussi, qui disaient, mais attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais ça revient toujours au même mécanisme, c'est-à-dire que certaines personnes ont peur d'autres en disant oui, ils sont trop nombreux. Et comme dans le sport en règle générale, on ne peut pas discriminer les gens. Donc c'est tout à fait compréhensible que les personnes qui sont d'origine moins aisée arrivent par le sport. Och då kan det hända då, det är inte så konstigt att en del kan lyckas via ta sig fram via just idrotten. Et ce qui est très amusant quand même sur la binationalité qui voulait mettre des quotas. Det som är lite intressant med dubbelnationalitet att man vill ha kvoteringar. Bientôt en France, je crois que c'est le 26 mars. Jag tror att det är 26 mars. On va remettre des prix pour ceux qui ont le plus de sélections en équipe de France. Så kommer man dela ut pris till de som har varit spelat flest gånger i franska landslaget. Et dans les 5 premiers, il y a au moins 2 ou 3 qui sont binationaux. Och bland de 5 första så är det minst 2 eller 3 som har dubbel nationalitet. Il y a Patrick Vieira. Vieira, Patrick Vieira. Franco-sénégalais. Han är fransk sénégalais. Il y a De Sailly. De Sailly. Franco-ghanéen. Han är fransk, från Frankrike och Ghana, fransk ghanéen. Il y a Zinedine Zidane. Zidane. Qui aurait pu jouer pour l'équipe d'Algérie. Han hade kunnat spela för Algérie också. Et c'est ça qui est incroyable. Och det är det som är så otroligt. Et comment? Et toi, tu es aussi... Moi, je suis franco-français. Oh, mais han är fransk, fransk. Parce que je suis franco-français parce que je suis né en Guadeloupe. Jag är fransk, fransk eftersom jag är född i Guadeloupe. Ja, c'est dit. Främst att du pekar att Luan Suram också tillhör dem som har haft... Ah, oui, oui, il y a moi aussi dans le... Oui, il y a moi aussi. Oui, jag är med där också. Il y a moi aussi. Har vi någon mer fråga till Luan Suram? Varsågod. Med och mot. Ja. Vilka är de tre bästa spelarna du har stött på? Contre. Som har spelat mot. Ou qui joue dans mon équipe. Mot eller med? Les deux. Alors. Attention. Non. Alors, je dirais que le meilleur de ma génération, c'est Ronaldo. Ronaldo, den bästa i min generation. Non, Cristiano Ronaldo, hein. Et inte Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que tu as? Non, Cristiano, l'autre. Okay. Ronaldo, le Brésilien. Oui. Voilà. Brésilien, on a l'air. Ben, généralement, on parle toujours de ceux de sa génération, donc il y a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Le troisième. Qui? Tigana. Mais madame, on parle le temps des dinosaures là. Mais pas comme dinosaures là. Qui connaît Tigana ici? Vem känner till Tigana? Ben regardez madame, il y a personne. Titta, det är inte någon.
Et oh, il y en a beaucoup. Ah, des filles sont mignonnes. Oh non. les trois meilleurs. Oh, il y en a. Alors, Messi était jeune. Il y a un joueur qui est quand même qui a été fantastique. C'est Ronaldinho. Ronaldinho. Mais c'est toujours très difficile de faire trois parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a tellement eu des grands joueurs. Il y a Pavel Nedved. Ibrahimovic. Il y a tellement de grands joueurs que je trouve que c'est très réducteur de. Et puis en plus, souvent, on parle toujours des attaquants. Par exemple, il y a Gigi Buffon qui est extraordinaire. Surtout, on a un attaquant fantastique. Le Cannavaro. Voilà. On a un problème. Jag kommer från Kongos demokratiska republik. Jag pluggar på Umeå universitet. Vad anser du om boken Tintin i Kongo? Tintin i Kongo? Ben, je pense que c'est très intéressant d'analyser ce livre-là. Det är väldigt intressant att analysera den boken. Pour montrer comment, en fait, les préjugés s'installent un peu partout. För att just se hur fördomar kan installera sig lite överallt. Comment ces préjugés rentrent dans la tête des gens. Och hur de fördomarna kommer in i huvudet på folk. Et je pense qu'effectivement, lorsque nous sommes amenés à rééditer ces livres, on ne devrait pas les rééditer de la même façon. Je pense qu'avec le recul que nous avons aujourd'hui, nous pouvons, lorsqu'il y a des préjugés très forts qui sont circulés, réécrire ces parties en mettant un astérix en disant voilà, on a réécrit et on explique pourquoi. Och då tycker jag att man kunde ändra det, man kunde skriva en liten asterisk för att förklara okej, så här har vi ändrat och i originalversionen stod det så här. Parce que comme je vous disais, c'est le fruit d'une culture le racisme. För rasismen är ju frukten av en kultur. Et comme c'est dans nos cultures, ça se retrouve partout dans les livres, dans les films, dans les pièces de théâtre. Et chacun de nous, nous devons être attentifs à cela pour pouvoir le dénoncer et expliquer pourquoi on ne peut pas continuer sur ce chemin. Nous devons tous être attentifs à cela et lifter fram de ces exemples et expliquer pourquoi nous ne pouvons pas continuer sur ce chemin. Nazana montrete. Nalingio. La Ligio, ça veut dire je t'aime. Ah, je älskar dig, betyder det eller? Har ni några frågor på läktaren? Var det roligt att spela fotboll med Barcelona? Ben écoute, c'était pas si rigolo que ça parce que j'étais très vieux. Ah, det var inte så himla kul, jag var så gammal. Et ils allaient très vite. Och de sprang så fort. Non, mais vraiment, Barcelone, c'est une équipe particulière. Et je pense que les gens aiment Barcelone parce que c'est vraiment, ça représente le jeu d'enfant. Ils font des choses extraordinaires, mais on a l'impression que c'est très facile. Voilà. Bra, då tror jag att vi tar och avbryter det här samtalet med Liliane Thuram. Varma på reklamen. Jag hade en fråga där. Ursäkta. Jesper Blomqvist. Oh, varför har du någon aning om varför manliga fotbollsspelare filmar mer än kvinnliga? F-
film. Mais parce que vous savez quand même, vous êtes un garçon, d'accord? Du vet det, du själv kille. Les hommes sont beaucoup plus fragiles. Men är mycket mer ömtåliga. Et c'est pour ça. Det är därför. Han undrar, när du kom till Frankrike och blev kallad för svarting, han kom till Sverige och blev kallad invandrare, ser du några paralleller i det? Ben, il y a des parallèles parce que le problème c'est toujours renvoyer à l'autre en lui disant tu n'es pas comme moi. Ja, alltså det finns paralleller för det är samma fenomen att man säger till en andra att du är inte som jag. C'est comme par exemple on dit oui, il y a des gens avec papier et des gens sans papier. Det är för att man säger att det finns folk som har papper och de som inte har papper, papperslösa. Et on a l'impression qu'il y aurait une hiérarchie entre ceux qui ont les papiers et ceux qui n'ont pas de papiers. Det skulle ju finnas en sorts rangordning mellan papperslösa och de som har sina papper i ordning. Et presque on dirait oh non non mais lui il a pas le droit de survivre parce qu'il a pas de papier quand même hein. Och sen men där han är papperslös, han har ingen rätt till existensberättigande. C'est comme si demain on perdait ses papiers et tout d'un coup on n'existerait pas quoi. Det är som om man skulle bli av med sina papper så plötsligt fanns man inte längre. Et c'est pour cela que je dis que le vocabulaire a un sens. Och därför så menar jag det att terminologin har en stor betydelse. Par exemple en France ces dernières années ils ont inventé une parole qui dirait les Français de souche. Och i Frankrike har man kommit på någonting som man nu kallar för ursprungsfransmän. Mais en fait, quand on parle français de souche, on parle de ceux aussi qui ne sont pas de souche. Ça veut dire qu'il y aurait une hiérarchie en étant être français ou pas. Et là, c'est comme s'il y a une sorte de rangordning entre les ursprungsfransmän et les vanliga fransmän. Il y a une sorte de hiérarchie däremellan. Il y aurait des vrais français et des faux français. Parce qu'il y a des äkta fransmän et falska fransmän. Et donc, il faut protéger les vrais Français. Och då måste man se till att skydda de riktiga fransmännen. Alors moi je dis souvent, moi je suis français de souche. Jag säger ofta, jag är ursprungsfransman. Et je crois qu'il faut toujours essayer de piéger les gens dans leur discours. Jag tror man måste hela tiden försöka sätta dit de här som säger sådana saker. C'est comme par exemple en France on avait inventé, bon maintenant c'est moins utilisé, les gens de la diversité. Och ett tag pratar man i Frankrike om mångfaldspersoner. Par exemple, si on était en France, s'il y avait quelqu'un de la diversité, ici, ça aurait été moi. Och om man då, vi hade varit i Frankrike, om det var någon då som tillhör den här mångfalden och som sitter på scenen, då skulle det vara jag. Et moi je disais, je serai de la diversité quand tout le monde sera de la diversité. Och då skulle jag säga att jag vill gärna tillhöra mångfalden när alla tillhör mångfalden. Et c'est toujours le même mécanisme, les eux et les nous. Och återigen, det är dom och vi. Et ça peut se créer, vous savez, même entre personnes de couleur, de la même couleur. Och det kan dessutom förekomma även bland människor som har samma färg. Regardez ce qui s'est passé par exemple au Rwanda. Titta vad som hände i Rwanda. On a créé des nous et des eux. On skapade vi och dem. Et lorsque vous créez des eux, ça veut dire que les eux, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Och om man skapar dem, det innebär att man kan göra precis vad man vill med dem. Et c'est pour cela qu'il faut être encore une fois très très attentif. Och därför måste man verkligen se upp med det här. Parce qu'on peut se faire piéger. För man kan faktiskt hamna i en fälla. Parce qu'il suffit de raconter 100 fois une bêtise. För om man upprepar en dumhet 100 gånger. Ça devient une vérité. Då blir det en sanning. Voilà. Ja, det kom fler händer här hela tiden. Har vi någon deadline arrangören att förhålla oss till? Nu. C'est fini. Donc maintenant je danse, c'est ça? Ska jag dansa nu då eller vad är tanken? Tack så mycket. Tack.